Enfin, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons avec le Boeing 787 de Dreamliner de Vancouver à Toronto. Voilà. Vous devrez être Canada. Voilà, j'ai déjà fait la préparation du vol. Sauf le fuel. Ouais. Je pense qu'on a largement assez là. On va sortir les volets à 15 degrés, comme d'habitude. C'est bon, on compte à taxier. Déjà préparé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. J'ai préparé l'avion. L'avion est le même sur lequel nous sommes partis de. C'est le même que la dernière fois. Voilà. Alors c'est l'avant-dernier épisode. C'est l'avant-dernier épisode de la série. Oups. Crois que l'avion va rouler un peu dans l'herbe. Voilà. Désolé. La piste est quand même très très longue. Voilà. Voilà, donc le prochain épisode, je crois que je vais encore le faire en Boeing. Et pas avec n'importe lequel, vu que je vais prendre le. Pas n'importe lequel, je. En tout cas, ce sera pas le 787. Ce sera pas celui-là. Ouais, je sais que c'est que l'avion est prêt. Voilà. Voilà, je n'ai pas beaucoup parlé pendant le taxi. Voilà. On va faire un décollage comme ça. Voilà. On va faire doucement avec la manette de gaz. J'espère que le décollage de Vancouver se passera bien. Voilà. Tout comme j'espère que l'atterrissage à Toronto sera aussi bien. Regarde, je vais essayer juste que ça enregistre. Voilà. Maintenant,
virage pris un peu serré. Virage pris un peu serré, mais. Voilà, je vais mettre un peu de puissance pour voir mes dégâts. Et voilà. Donc là, je suis obligé de prendre un virage très serré. En même temps, l'avion s'est. En même temps, l'avion, il y a. C'est pas encore la 300. C'est même pas encore le 777 en taille. Mais il est déjà très balèze. Que par précaution je vais sortir deux grandes volées supplémentaires, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Parce que le décollage, peut-être que je vais pas avoir assez comme ça, c'est par précaution. Comme ça moi on passe moins de temps pour ça. Pour qu'on puisse en voler plus rapidement. Ouais. Maintenant, on met tout de suite les gaz. Comme ça, on mettra moins de temps pour le décollage. Voilà. On s'apprête à décoller. La puissance est mise à fond. Meilleur cas si on va pouvoir décoller à temps. Voilà, je tente de décoller. Voilà, on parvient à s'envoler juste à temps. On rentre le train à atterrissage. Voilà, on rentre le premier cran de volée. Et un autre cran de volée. Voilà, donc on pourrait dire au revoir Vancouver. Bon, on se retrouve pour la atterrissage. Voilà. Et surtout pour atterrissage. Alors on a des yeux de l'axe de la piste. On sort le train d'atterrissage. On sort le train. Voilà. On sort le train d'atterrissage. On prend un peu d'altitude parce qu'on est un peu bas.
rapport à l'axe de la piste, je règle un peu ma vitesse. Parce que la DHL, bah, elle me gêne un peu, on est allé voler à 3 de sortie. Je vais tout faire pour que la vie ralentisse. Voilà, voilà notre avant-dernier. Voilà l'avant-dernier atterrissage de l'Espérance World. L'avant-dernier. Et j'arrive pas à y croire après mes yeux. C'est la première fois. Voilà, voler à 15. Là, je vais faire un bel atterrissage. Je vais d'abord voir ça. S'enregistre. Ouais, ça enregistre. Nous, on est un peu bas. Donc, je vérifie que ma puissance est bien au minimum. Voilà, comme on est un peu bas, je vais rattraper comme ça. C'est bon. Maintenant, on sort tous les volets maintenant. Voilà, on dévie un peu de la piste. L'atterrissage promet d'être hard, un peu hard, mais bon, je pense que ça devrait. Ouais, pas trop être dérangeant. Voilà, 1000. Voilà, on approche. J'ai fait tout pour augmenter mon angle de descente. Voilà. Voilà, je vais être un peu gâté, que j'ai des doutes sur les pertes. Voilà, vous allez voir atterrir la vidéo. Voilà. C'est bon, on a atterri.
On va laisser la viande décélérer de lui-même. On aura vraiment fait tout court aujourd'hui. Décollage, atterrissage. Les anciens, il fait de l'ordre. Et c'est bon. On désactive les autobots. Notre prochaine étape sera Toronto-Paris-Charles-de-Gaulle avec le Boeing 777 300ER d'Air France. Et après la prochaine, le prochain épisode, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être que je vais faire un let's play sur First Plane avec la nouvelle base, enfin peu importe, pas simplement, pas que la nouvelle. La nouvelle base, mais voilà, enfin faire des trucs sur Explainer, voilà, par exemple des patrouilles en avion, je vais me faire des challenges, des défis. Voilà, on va se quitter là.